Il est mort et mon enfant. Il doit venir. Pourquoi les bébés? Ibanga ibanga ry'inzuki rero no gushira kubwo y'umwami w'inzuki mu Rwanda hose kandi aho ivya hose ndazambara. L'abeille est le seul marécage de tous les temps domestiqués, mais nous sommes encore en train de démêler les mystères d'une grande partie de leur comportement. Il est possible de contrôler les abeilles d'une certaine manière. C'est assez impressionnant. Les abeilles sont convoquées par un signal secret qui les pousse à agir avec un seul esprit. Selon la science, les marécages sont faits avec des milliers d'organismes, mais fonctionnent comme une. Cet homme fait ce que beaucoup d'entre nous pensent être impossible. Il ordonne à ses abeilles de faire tout ce qu'il veut. Il peut les amener n'importe où. Il est littéralement leur maître. La façon dont il se couvre des milliers d'abeilles de la tête jusqu'aux orteils, il les commande. Il a une domination inconditionnelle sur la troupe. Il est le roi des abeilles. Il est rarement victime de piqûres d'abeilles. Il a étudié les abeilles toute sa vie. Il peut communiquer avec elles. Ils réagissent en protégeant et en couvrant son corps. En utilisant ses compétences, il est capable de leur faire faire ce que la plupart d'entre nous redoutent. Et le résultat est assez impressionnant. Il n'a pas besoin de tissu pour couvrir son corps. Pourquoi irait-il chercher des vêtements s'il a des abeilles qui peuvent pallier à cela? Ces abeilles respectent et travaillent sur ses commandes. C'est pourquoi il ne nuise à personne. Son histoire avec les abeilles n'a pas commencé ainsi. Il ne s'est pas réveillé un jour et s'est retrouvé entouré d'abeilles. Il a passé beaucoup d'années d'apprentissage et de maîtrise de cette technique. Il a commencé à étudier les abeilles dans son adolescence, mais il a réussi à les maîtriser au bout de 5 ans d'études. Pour lui, c'est un divertissement, c'est une façon de s'amuser. Il définit la peur comme quelque chose qui nous garde loin du mal. Parfois, nous maintient coincés et nous empêche d'obtenir ce que nous voulons. Mathias nous rappelle l'homme que nous avons rencontré il y a quelques mois, qui partage aussi le même pouvoir de compétence avec cet homme. Il peut aussi contrôler les abeilles à tout moment et n'importe où. Pour ceux qui ne se souviennent pas de cet homme, les deux hommes savent tout sur les abeilles et la maîtrise en soi en tant que maître de leurs sentiments et exercice à leurs pensées. Ces deux hommes sont extraordinaires, ils sont spéciaux et doués. C'est incroyable, c'est au-delà de l'imagination. Comment peut-on contrôler une telle force de la nature? Ils partagent tous les mêmes expériences de vie. Ils disent que cela prend beaucoup d'années de détermination et ne jamais abandonner, car avant de maîtriser cette technique, ils ont beaucoup souffert. Ils ont été piqués 1000 fois, mais ils n'ont rien lâché. Mathias dit qu'il a grandi et est tombé amoureux du monde des abeilles. Il aimait tellement le miel pendant son enfance, c'est ce qui l'a poussé à se familiariser avec les abeilles et comprendre leur univers. Ce faisant, il a fini par devenir l'homme aux abeilles. En ce moment, il dépend du miel de ses abeilles. Cela fait maintenant 15 ans qu'il est devenu apiculteur professionnel. Pour lui, les abeilles et le miel signifient beaucoup pour sa vie. C'est la raison pour laquelle il a consacré sa vie à travailler avec les abeilles et à les rendre productives. Pour lui, le monde sans abeilles serait incomplet. Il vend du miel et sa famille en dépend. Cette pratique aide l'homme à nourrir sa famille. Il ne gagne pas beaucoup d'argent avec ses abeilles, mais il dit que l'amour qu'il a pour elles est immense. Cet homme ne peut faire aucun autre travail. Cet homme ne peut faire aucun autre travail qui n'est pas lié, soit aux abeilles ni au miel. Il a consacré sa vie aux abeilles. C'est pourquoi beaucoup de gens l'appellent Beeman, soit l'homme aux abeilles en français.
Dans cette zone, avec un peu d'argent, il dit qu'il peut ouvrir une classe et partager avec les gens comment vivre avec les abeilles. Il dit que beaucoup de gens traitent les abeilles comme des ennemis. Pourtant, les abeilles sont amicales avec l'humanité. Beaucoup de gens ont mal compris les abeilles. C'est pourquoi ils les rejettent. Ouvrir une école et apprendre aux gens comment les abeilles marchent. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si cela n'est pas encore fait. À la prochaine.